Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une princesse bien moderne. C'est une princesse autrichienne et en fait, elle est archiduchesse d'Autriche et elle s'appelle Éléonore von Habsbourg. En français, c'est Éléonore de Habsbourg. C'est en fait l'arrière-arrière-arrière-petite-fille de Sissi l'impératrice. Vous savez, Sissi qui a été jouée par Romy Schneider à l'écran et qui était la favorite de tout un audimat français. Donc, elle épouse aujourd'hui un coureur automobile belge qui s'appelle Jérôme Ambrosio. Il a 34 ans. Éléonore von Habsbourg a 26 ans. Ce qui est étonnant sur Éléonore, elle est non seulement duchesse, mais elle est aussi un mannequin connu dans le monde entier. Elle est née à Salzbourg. Elle est la fille de l'archiduc Karl von Habsbourg, qui est à la tête de la maison des Habsbourg-Lorraine. Et c'est aussi un politicien autrichien. Il était marié à Francesca de Habsbourg. Donc, on parle d'elle parce qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés hier à Monaco. Et ils se sont mariés en petit comité parce que, bien sûr, coronavirus oblige. Le couple était très mignon et la princesse, l'archiduchesse, était mignonne dans une petite robe blanche avec des petits volants au niveau des épaules, dénudée. Elle est mannequin, elle a défilé pour des grands couturiers tels que par exemple Dolce & Gabbana. En même temps, elle aurait une autre activité. En même temps d'être mannequin, elle serait étudiante en droit. Donc elle aurait fini justement ses études en droit et ils se sont rencontrés en fait en 2017, mais c'est en 2019 qu'ils ont annoncé leur fiançailles pour éventuellement se marier. C'est une princesse royale, comme je l'ai dit, une princesse royale qui a des origines en Hongrie, en Croatie, mais aussi en Autriche. Elle a 26 ans, comme on l'a dit, et elle a l'air très jolie. Jolie, elle ne ressemble à rien en Sissi, mais c'est vrai qu'avec des générations, la ressemblance s'est estompée. Elle est non seulement jolie, mais en plus intelligente. Hein. Donc, malgré ses connexions, malgré son statut, elle dit qu'elle est une fille normale. Elle le dit dans une ancienne interview qu'elle avait donnée au magazine Madonna 24. Et elle dit que ses parents ont toujours insisté pour qu'elle et ses frères soient très mature et aussi très humble. Elle dit qu'elle adore faire du shopping dans des magasins comme Mango, Zara et H&M et que contrairement à ce qu'on pense, elle ne vit pas dans un palace. Elle vit de façon normale dans un appartement à Londres. Elle a fait ses études en Suisse pour ensuite venir vivre à Londres. Voilà, je voulais vous montrer les photos du couple. Donc, comme je disais, Éléonore et son nouveau mari belge Ambrosio qui est un coureur automobile. Voilà, aussi n'oubliez pas s'il vous plaît de regardez ma nouvelle chaîne que j'ai créée. C'est une chaîne sur laquelle je parle de tout et de rien. Je parle des expériences de la vie et des célébrités, de la royauté. Vous trouverez le lien de ce site-là dans la barre à description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.